quand je venais au centre pénitentiaire de Divo, j'étais sorcière. Depuis que j'ai mis pied ici, par la grâce de Dieu et par les prières du prophète, j'ai été délivrée de l'esprit de la sorcellerie. Depuis que j'étais sorcière, je ne respectais pas. Même que je suis rentrée dans la vie de mon mari, je ne calculais pas. Je mange, je gâte la vie des gens. Tu as tué combien de personnes? Depuis que tu es sorcière? Environ 8 000 personnes. Hein? 8 000 personnes. Environ 8 000. Oui, papa. Bon. Donc tu n'es pas une petite sorcière, environ 8 000 personnes. Oui, papa. Tu n'es pas une petite sorcière. Ou tu l'as eu à l'église, oui, comment vous êtes rencontrés? Oui. Au début, c'était au début de ma conversion à l'église. Il est vu dans un village voisin à 3 km de chez nous. Et quand il l'a vu, bon, je ne sais pas si à ce moment, il n'était pas encore bien chrétien d'abord, c'est maintenant, mais il partait à l'église. Et il y a une voix qui m'a dit que c'est elle qui était ma femme. Je ne sais pas si c'est la sorcellerie qui a fait, ou là, je n'ai pas discerné. Tes yeux ont brillé en même temps. Tes yeux ont brillé en même temps. Comme je l'aimais, donc c'est là que je suis rentré. Mon pasteur m'avait parlé, mais je n'avais pas compris à ce moment déjà. J'étais déjà ah, plongé. Je vais écouter. Ton pasteur t'avait dit quoi? Il m'avait dit de laisser, que l'appel de Dieu sur ma vie, de laisser ça, que ce qu'il dit préserve pour moi est plus grand que ce que je voyais là. Mais je n'avais pas compris. C'est toi qui l'as envoûté ou bien lui-même c'est naturel? C'est moi qui l'as envoûté. Tu as compris maintenant? On dit, fallait que tes yeux brillent là. C'est envoûtement. Là, comment tu as t'arrangé? On s'est croisé chez une femme prophétesse, Aris. Il venait se soigner, là moi aussi il venait me soigner, c'est là où c'est venu. Quand vous êtes rencontré dans le même endroit, c'est là que tu l'as envoûté. Oui, papa. Et c'est là qu'il a commencé à t'aimer. Oui, papa. Donc quand tu l'as regardé là dans tes yeux, là, est sorti envoûtement, tu as mis dans son cerveau pour m'aimer. Oui. Oui, papa. Comment ça s'est passé? Papa, quand j'ai vu le premier jour, il a fixé le bras sur mes yeux. Hein? Il a dit c'est par mes yeux. Tu as fait comment? Il a prononcé son nom 3 fois. Que s'il va, qu'il revienne me dire. Mais comment tu connaissais son nom? Est-ce que tu connaissais son nom? Oui, je connaissais son nom. J'ai demandé par ma patronne. Parce qu'elle travaillait là. Donc la patronne. Elle avait le nom du monsieur, ton mari là. Et tu as demandé, mais comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Donc tu as travaillé le nom. Et quand tu as travaillé le nom, tu as regardé, tu l'as regardé avec tes yeux. Qu'est-ce qui est sorti dans tes yeux? C'est comme feu, une lumière. Comme un feu? Là, ce feu, ça brûle. Non, c'est comme une lumière qui est sortie de mes yeux pour l'attaquer. Elle dit, c'est comme une lumière qui est sortie de ses yeux. Elle dit, c'est comme une lumière qui est sortie de ses yeux pour aller vers le monsieur. Ça a pu commencer à sourire maintenant. Hein? Il a commencé à sourire. Les gens disent qu'il en jaillit. Il en jaillit maintenant, il a commencé à dire. Il est bien. C'est pas comme ça que c'est passé? Oui, c'est comme ça, papa. Hein? C'est comme ça, papa. Maintenant, c'est une question. Maintenant, monte sur la moto, je connais chez toi. Ça a commencé. Ouais, non, on vous parle de la stratégie. La stratégie. Ils sont stratèges. C'est ça la sorcellerie. Les petits détails, les questions, là, c'est instructif. Nous-mêmes, ça nous aide. Nous-mêmes, nous posons des questions. Et pour vous qui écoutez, là, ça doit vous aider. Quand j'ai été délivrée de la sorcellerie, je me soumets à lui. Je respecte beaucoup les gens. Avant, je devais même être dans la sorcellerie, dans mon accouchement, il devait mourir. Mais par la grâce de Dieu et par la prière du prophète, j'ai été délivrée et j'ai accouché normalement par la grâce de Dieu. Donc, voici l'enfant même qui est dans ma main. En tout cas, je dis merci à Dieu. Et je dis merci aussi au prophète. Je m'appelle Kwasi Yao Daniel. Elle, c'est ma femme. Elle s'appelle Yahwa Kisi Félicité.
tout à l'heure vient de rendre son témoignage. C'est vrai, ça fait depuis 7 ans qu'on est ensemble. Mais depuis 7 ans là, vraiment, elle m'a montré ce qu'on appelle couleur quand elle pratiquait la sorcellerie. Elle dit qu'elle ne m'obéissait pas, elle ne me calculait pas. Bon, on ne s'entendait pas. Un peu de choses, c'est pas là. Un peu de choses, c'est pas là. La vie, là, et le foyer même était devenu amer pour moi. Et le jour où j'avais appris qu'elle pratiquait la sorcellerie, vraiment, ça m'a dépassé. Parce qu'elle avait dit qu'elle n'était pas venue dans ma vie pour amour, mais elle est venue pour que. Elle est venue pour me détruire. Mais depuis que nous sommes arrivés ici et que la délivrance a eu lieu, vraiment, notre vie a vraiment changé. Et maintenant, elle se soumet. Elle est délivrée de cet esprit-là. Elle est, en tout cas, elle est devenue une femme de foyer maintenant. Donc, nous disons merci à Dieu pour la grâce qu'il nous a faite. Parce que, vraiment, nous avons trouvé que Dieu est en ce lieu, vraiment. C'est Dieu qui délivre.